vous faire une petite vidéo sur les différents appuis au tennis. Donc Maxime toujours à la caméra. Alors, donc il existe différents appuis en fonction du coup à jouer. Et donc je vais d'abord parler quelle est la fonction des deux pieds. Donc je parle toujours pour un droitier. Donc le rôle du pied droit, ça, il va servir d'ancrage au sol et il va servir à transférer le poids du corps vers l'avant. La pose de ce pied se fera pointe de pied légèrement vers le couloir, légèrement parallèle au filet. Voilà. Pour le pied gauche, il se positionnera de différentes façons en fonction du coup à jouer de la situation dans laquelle on se trouve. Par contre, le placement du pied gauche, pointe de pied, elle se fera toujours pratiquement vers le filet pour avoir une bonne flexion de la cheville et donc pour continuer le transfert du poids du corps vers l'avant. Si je mets mon pied ici, là je ne peux pas bien transférer le poids du corps vers l'avant. Donc je vous ai dit qu'il y avait différents appuis en fonction du coup à jouer. Donc là pour un droitier, pied droit ici, pied gauche ici, on parle d'appui en ligne, c'est pour jouer des balles droit devant soi, en ligne, des coups en ligne. Appui ouvert, pied gauche ici, pied droit ici, pied gauche ici, ça va être pour jouer des coups en diagonale et également des coups où je recherche plus de puissance grâce à la rotation du bassin et des épaules pour une bonne mise en tension. Et donc quand je déclenche la frappe, j'ai plus de puissance. Appui semi-fermé, ça va servir pour faire un décalage coup droit comme ceci. Fermé. Et enfin, appui fermé, pied droit ici, pied gauche ici, pour jouer des balles en bout de course, loin de soi latéralement. Appui, hop, fermé. Donc maintenant, je vais vous parler du tempo. Quand est-ce qu'on pose ses pieds par rapport à la frappe? Alors, il y a deux possibilités. Donc soit je pose d'abord, quel que soit l'appui, pied droit d'abord, pied gauche, et ensuite je frappe. Deuxième possibilité, je pose pied droit, je frappe et je repose pied gauche. Et je parlerai également d'une troisième possibilité pour les coups en bout de course. Je pose pied droit, pied gauche, je frappe et je repasse pied droit sur le côté pour me replacer plus rapidement. Donc voilà un aperçu des différents appuis au tennis.